montrer l'avancement des préparatifs pour l'euro. Le jour J-366 et pas 365. Ça ne me surprend pas. C'est normal. C'est normal, il y avait un processus qui était engagé pour le plus vite possible pour faire un vote en 2017, mais aujourd'hui il n'y a pas de leadership à la FIFA, donc c'est normal que ça soit reporté. C'est bien. L'Euro 2016, je précise tout de suite que ça n'est pas le vrai.